Donc en fait, pour le Texas Tommy, le leader va venir passer le bras droit de la follow derrière son dos. Et les follow, nous, on va tourner sur 5-6, comme sur le swing out release. On fait dans le sens, tu vois le passer avant. Là, je prépare la main de Juliette, que je vais laisser passer dans son dos, sur le centre. Donc 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, c'est très important, les follow, de ne pas avoir le bras tendu. Donc il faut que ce soit chewing-gum, pour que le leader puisse rattraper votre main sans que ça vous fasse mal à l'épaule. Les leaders, il ne faut pas monter le bras dans le dos comme ça. On laisse seulement, donc on laisse tomber le bras de Juliette et on le rattrape avec la main droite. Une fois ici. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, normalement, à la fin du Texas Tommy, vous êtes censé arriver main droite, main droite.